Papa Kavia, c'est Vigile. Vigile est petit. Dites même que c'est lui qui creuse les tombes là. Si elle a testé que son Vigile devient Kavia, son Vigile est Kavia. Le monsieur, il est tendu comme ça, on dirait piège d'abouti. Le mari de nos côtes, les chocodets. Voilà. Lui là, je sais qu'il est un grand type même. Un vrai papa caviar. Mmh. Il est vilain comme un boucou. Il est laid, il est hideux. Il n'a rien d'un caviar, mais il a tout d'un cafard. Hey. Mais c'est qui ça là? Quand tu regardes derrière sa tête, on dirait noix de coco. Quand tu regardes sa tête, on dirait cliquet. Un homme qui a une tête, on dirait trapèze. Ferme-moi. Mais il n'a qu'à nous dire son nom. Le monsieur. Je dis, oh, dis-nous ton nom. Je suis Bob Lee, la légende. Hein? Maintenant, dis-nous pourquoi tu insultes Papa Kavia ici. Ja, Papa Kavia, en fait. C'est le caviar de Koumassi. Koumassi. Papa Kavia, c'est Vigile. Celui-là, ce monsieur que vous voyez, c'est Vigile. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Voilà. Il est Vigile où? C'est Vigile à Paris. Ah bon? Avant, il faisait le nettoyage à domicile. Il avait baissé des gens en France. Hey. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, les gens ne lui donnaient plus contrat. Alors, il s'est transformé en Vigile. Hein? On dit quoi, mes amours? Mm-hmm, coach, on te cherchait même. Mes caviar, mes champagnes, dormez tranquille. Non, coach, ça, ce moment, on ne peut pas dormir tranquille avec. Permettez-moi de me présenter. Est-ce que c'est la présentation? Jamais. Coach, on dit que Papa Kavia est Vigile. Est-ce vrai? Vigile est petit. Dites même que c'est lui qui creuse les tombes là. On veut juste savoir s'il est Vigile ou pas. Vigile est petit. Dites même que c'est lui qui enterre les cadavres. Ou bien c'est lui qui veille sur les cimetières. Nous voulons savoir de quoi vit ton homme. C'est un Vigile. C'est la femme de Vigile même qui est assise là. C'est gâté, hein. Coach, c'est vrai qu'il est Vigile. Mon mari est Vigile. Il est bien Vigile même. Ferme-moi. Un petit Vigile qui ne touche pas 100 euros par jour. Hey. Papa Kavia là, il peut nourrir toute ta nation. Petit. Il touche même pas 1500 euros par mois. C'est vrai que Papa Kavia là, quand il rentre dans ton village là, il nourrit tout ton village. Ton mari, c'est un pauvre maître qui n'a même pas l'argent pour s'acheter ne serait-ce que deux chaussures. Il nourrit même tes ancêtres. C'est-à-dire qu'il va réveiller tes ancêtres et puis il va les nourrir. Tiens ton ordinateur là. Tout est gâté. Coach, s'il vous plaît, soyez humble. Je vais plus être humble. Humble là seulement, là, faut laisser. Il n'est rien, c'est un pauvre loup. Il est Vigile, j'aime ça. Une chose comme ça que tu caches à l'horreur du journée. Quand je le vois dans sa tenue de Vigile là, je suis excité comme ça. Tu vas prendre un monsieur tordu, le Togolais le plus tordu du monde. Ses pieds, on dirait, une parenthèse fermée et ouverte. Ferme-moi. Je ne peux pas être menteuse jusqu'à ce point. Vous avez quel problème? Apu, tu dis quoi? Vous avez quel problème? On dit que Papa Kavia est Vigile en banque. Voilà. Que le monsieur soit Vigile, qu'il soit plombier, qu'il soit menuisier, où est votre problème dans ça? C'est un monsieur même, il n'a même pas même ses ombres même pour gratter son anus. Fontaine! C'est un monsieur même, il n'a même pas un poil sur sa tête. Vous inventez. C'est lui là que toi tu vas appeler caviar. Tu insultes le caviar ou quoi? Si elle a testé que son Vigile devient caviar, son Vigile est caviar. Hein? Quand tu regardes le monsieur, même son visage est triste. Ah! Mais celle qui a testé qu'il soit caviar, il gagne combien par mois pour qu'il soit aussi caviar? Dans son Vigile là, elle dit pour elle là, c'est son caviar. Et puis j'aime son côté Vigile là. Hey! Ton mari, son visage, on dirait piège. Vous allez sauf que souffrir. Voilà. Le monsieur, il est tordu comme ça, on dirait piège d'abouti. Vous allez sauf que être aigri et être jaloux. Regardez un peu les dents. C'est le Vigile qui mange ça. Quand tu es trop fier de ton mari, tu le montres. Le Vigile, il mange ça, il lape dans là comme ça. Lui-même, ses reins sont tordus, il ne peut même pas rouler les reins. Petit. Tu ne peux pas comparer coloris comme ça là aux Ivoiriens. Tu sais combien de Vigiles tu en France ici? Non, jamais. Ah, pour dis-moi, est-ce que les Vigiles sont bien payés là-bas? Le Vigile ici en Europe est 1000 fois payé que même le commissaire ou le colonel en Côte d'Ivoire. Ah bon? Moi j'ai un ami Vigile qui a construit un immeuble ici en Côte d'Ivoire. Dans ce cas, moi aussi je préfère devenir Vigile. T'es où? Moi seulement je viens de suivre les magasins de Macron. Ferme-moi. Milou. Allons. Je suis le vrai Papa Kavia ici. Mon frère, faut boire l'eau, tu vas donner.
Faut partager la vidéo. Ok. Ciao. Alors je vous fais de gros bisous. Tous les noms que vous m'avez regardé, vous n'avez qu'à vous bonner.